Bon, on est dimanche midi, je ne vous ai pas fumé le repas de hier soir. En même temps, je vous avais montré, on a mangé de la quiche et puis des salades et puis des fruits et puis voilà. Donc à midi, poisson pané façon fish and chips, là, de Fanus, pour tout le monde sauf pour Tintin, avec des courgettes, beaucoup pour moi, un petit peu moins pour les autres, les boulettes, les fameuses, voilà. Martin, il a eu un petit steak haché, l'assiette de papa, hello papa. Hello, à voter. À voter, oui. Papa est allé voter, c'est le seul. On verra d'ici la fin de la journée maman, si. On peut pas voter parce que. Non, non, on dit pas parce que. On dit pas. Voilà, maman hésite encore. Maman réfléchit. Maman verra maman, tout à l'heure. Que... Voilà. C'est pour les lois. C'est là, on est à la cool. Avec papa, on a écouté de la musique ce matin, la musique de notre enfance. Moi, j'ai mis, hop, ma robe, je voulais la mettre sur Vinted, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Mais papa la trouve super bien. Ouais, je l'avais achetée avant de Et on vous voit. avoir. Et papa aime beaucoup, donc c'est super cool, je la Et garde. on voit ça. On voit ça, c'est très Oui, ben on voit ma cicatrice, mais en même temps, si je dois cacher toutes mes cicatrices, je vais vivre en col roulé, quoi. Fait un peu chaud pour les parents. Ouais, voilà, c'est pas super grave, quoi. Bon, on se dit bon appétit et puis à tout à l'heure. Bon, on était avec Tintin au parc. Lisette avait pas envie de sortir. Il c'est bien. Ouais, il a fait un volcan, hein. Il est tout cracra. Hein. Il va falloir le passer à gros Karcher en rentrant. Un volcan, voilà, c'est la vision du volcan selon Martin. Parce qu'honnêtement, ça ressemble plus à un lac ou à une piscine. Hein. Et là, il en a même là, là, les baskets. Au Karcher, tout entier à la machine, le Tintin. Bon, alors pour ce dimanche soir. Ils étaient toutes propres. Elle n'a pas souhaité nous accompagner avec son frère au parc. C'est un repas reste, un repas pique-nique, un repas, voilà. Donc il restait des pâtes bolo, mais enfin juste la sauce, mais sans viande. Donc il restait une chipo. Regardez-moi cette bonne viande. Zoup là, voilà. C'est de la bonne viande. Oui. C'est du bon cochon. C'est du bon cochon. N'importe quoi. Il y a du melon. Il y a des fraises, voilà, les salades Lidl, un vieux reste de pain, de la charcute, et puis la chantilly. Voilà, chacun prend ce qu'il veut. Ah, oh, elle est dégueu. Des fins. Voilà, Tintin, hop, Tintin en slip. Tintin, c'est pas Martin, c'est carrément un schtroumpf, il est tout bleu. C'est un schtroumpf, oui. Il a pris sa douche, il était plein de boue, hein? Oui, il a fait un volcan. Oui, t'as fait un volcan. Il bon. Amusé au moins. Ouais, il y avait Tom au parc. Bon, allez, gros bisous et à demain. Bonjour à tous, on est lundi matin. Je suis debout depuis longtemps, j'ai passé une nuit pourrie, mais ça je pense comme beaucoup de gens, hein, la nuit du dimanche à lundi, c'est compliqué. L'infirmière est déjà passée. Tululut pour faire la prise de sang pré-chimio, voilà, puisque demain c'est la journée de la chimio. Aujourd'hui c'est chargé aussi. Donc l'infirmière est venue. Évidemment, j'étais toute lavée et tout avant pour pas qu'elle s'occupe d'une crado. Ça frite en bas, Martin s'est levé d'une humeur massacrante. Ensuite, j'emmène les enfants à l'école. Et en fait, ils ont école à 8h35, donc vers 40, comme ça je vais pouvoir partir, 40-45. Et à 9h30, j'ai rendez-vous à l'hôpital en cardio parce que je commence à avoir des petits problèmes cardiaques. Sûrement de l'arythmie, rien de grave quoi, mais voilà, donc j'ai un petit contrôle et voilà. Martin, il a rendez-vous un quart d'heure après la sortie d'école chez le coiffeur et puis après on ira au parc et puis comme je suis à Blois et que c'est pas très loin de chez Action, je vais aller chercher chez Action des choses qui nous manquent. Je vais aller faire la police en bas. Ils sont déjà aussi tout beaux, tout propres, tout habillés. Ils ont pris leur douche. Voilà. Normalement, ils se lèvent toujours de bon poil, mais pas aujourd'hui.
bien, je viens d'arriver à l'hôpital. Je suis en avance et c'est cool. Ça a bien roulé, il n'y avait personne. Pour se garer, ça allait. Il n'y a plus beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup d'abrutis. En fait, ils ont des belles voitures. Alors, en fait, comme ils ont dû arriver assez tôt, mais ils se garent à cheval sur deux places. Et là, il y en avait une paire hein, quand même de naze. Donc voilà quoi, quand on ne veut pas abîmer sa voiture, ben on la laisse au garage. Hein, voilà, on se fait déposer. Mais c'est super chiant, j'ai jamais fait ça. Bon, c'est sûr que la C3 elle craint plus rien. et c'est pour ça que d'ailleurs je préfère prendre la mienne parce qu'elle se gare partout et tout ça. Mais c'est voilà quoi, ça m'a déjà. Bon, ça m'a énervé, mais j'ai réussi à me garer. Bon, je vais y aller. Je suis contente parce que bon, ça se voit pas, hein, je souris et tout, mais je vais pas très bien. Je sens que le cœur, il tressaute, il sursaute, je sais pas quoi, il merdouille. Et donc du coup, je suis assez contente. J'espère que ça sera toujours le cas dans 20 minutes quand ils vont me brancher pour pouvoir voir ce qui va pas plutôt que hop, je vais avoir un quart d'heure nickel et puis ils vont rien voir quoi. Donc j'espère que ça va durer. J'ai sorti mes boucles d'oreilles, voilà, parce qu'on n'est plus obligé de mettre les masques et ben c'est cool. Voilà, oui, c'est vrai qu'en fait avant le Covid je mettais des boucles d'oreilles tout le temps. En même temps je sors pas pour travailler donc je les mettais plus. Et puis avec le masque c'était pas pratique. Donc bon, je vais me bouger parce qu'il y a toujours à l'entrée, ils vérifient le test Covid, tout ça. Voilà, zou, j'y vais. Bon alors voilà exactement pourquoi je ne mettais pas de masque avec, enfin mes boucles d'oreilles avec les masques et voilà c'est arrivé, il faut que j'enlève la boucle d'oreille pour décoincer tout ça. Voilà, bah, je suis sortie de mon rendez-vous sans surprise, hein, c'est à chaque fois, voilà ça allait très bien quand on a fait l'examen. Voilà, mais comme en fait elle m'a prise au sérieux, je ne suis pas habituée à me plaindre pour grand chose. Donc en fait du coup on va poser un holter je crois, voilà, pendant 24 heures pour vérifier que voilà tout va bien. Et ça me rassurera, j'ai aussi une prise de sang complémentaire à faire. Voilà, bah, ils avaient beaucoup de retard. La pauvre secrétaire, elle expliquait à tout le monde qu'ils n'avaient plus de place. Ils étaient complètement débordés, surchargés. Et les gens leur disent « Ouais, c'est pas normal !» Et oui, ils n'y arrivent plus, voilà. Donc c'est la cata, hein. Là, il est super tard, je vois plus l'heure, mais je suis restée très très longtemps. Bon, bah, c'est pas... Voilà, c'est comme ça, hein. Moi j'ai de la chance, j'ai déjà des rendez-vous rapidement. En fait j'ai de la chance. Mais voilà. Et en fait à chaque fois qu'ils me font une échographie cardiaque, je me retiens, j'ai envie d'être lourde, ça me fait rire à chaque fois. Alors docteur, dites-moi tout, c'est un garçon ou une fille? Et en fait je me rappelle que quand j'étais caissière pendant mes études, à chaque fois qu'il y avait un truc, qu'un code barre qui passait pas, on me disait il n'y a pas de prix, alors c'est gratuit. Et je me suis dit, bon, je vais pas leur faire la blague parce que j'imagine que je dois pas être la seule lourde à la faire. Donc, je vais éviter d'avoir envie de se suicider en plus du stress avec tous les gros lourds. Donc voilà, je me suis abstenue. Mais voilà, je me fais toujours rire intérieurement, c'est super nul. Et je vais chez Action, vite fait, et je vais rentrer manger parce que bah j'ai faim. Voilà. Et puis, il me reste des pâtes, donc c'est trop cool. Et ça évite de gâcher, puis juste à passer au micro-ondes, ça c'est génial. Bon, je m'enlève ça, là, c'est pas pratique avec la ceinture, et puis j'y vais. Bon, il est un peu moins de 13h, en fait, je n'ai pas l'heure. mon assiette vient de sonner au micro-ondes, je mange donc le reste de bolo de samedi, voilà, avec un peu de gruyère. Ça me dépanne bien, en même temps, je suis contente, hein, j'avoue. Ce matin, quand je me suis levée, j'ai aéré toute la maison, faire rentrer le frais, j'ai fermé les fenêtres. Et puis j'ai entendu l'infirmière qui venait et j'ai oublié de baisser les volets. Du coup, en rentrant, j'étais satisfaite de moi. Je me suis dit, waouh, oh là, j'ai vu que j'avais oublié de baisser les volets des chambres. Quoi. Enfin, déjà, à l'étage, il fait chaud. Quoi. Il fait chaud. Hein. Mais alors, en plus, là, ça a bien tapé sur le Velux. Bien sûr, j'ai baissé maintenant hein, pour limiter un peu la casse, mais... Voilà, bon, voilà, bah, quand on n'a pas de tête, on transpire un peu. Sinon, bah, ça m'a fait du bien d'aller me promener, quoi. J'ai à Blois, en fait, à côté du Action, il y a Maison du Monde, donc ils faisaient déjà aussi hein, toutes les promos des ventes privées. Je suis allée faire un tour. J'étais très raisonnable, j'ai rien acheté, rien. J'étais tentée. En même temps, voilà, ça fait, c'est pas donné encore. Donc, je pense qu'on va attendre soit que je déménage, soit que tout passe à 50 ou je sais pas.
J'ai pas eu de gros coup de cœur où je me suis dit, allez, prends-le maintenant parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc voilà, j'ai été forte. Et en face de chez Action, il y a Grand Frais, c'est pareil. Nous avons assez encore pour manger pour quelques jours. Donc on va manger les fruits qui nous restent et tout pour ne pas gâcher. Et voilà, et ne pas dépenser en même temps. Ouais, voilà, il faut être raisonnable. Et j'entends la petite voix Lyonne qui me dit, on achète une maison, fais attention. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que la déco, bah, ça me fait bien envie ici. On n'a pas accroché trop de choses au mur pour pas lui faire de trous partout. Moi, j'aime pas trop les objets posés sur les meubles parce que je suis une grosse feignasse, donc faire la poussière, hein, tout soulever et tout, ça me gonfle un peu, quoi. Enfin, beaucoup même d'ailleurs. Faut assez que ça aille vite, mais les trucs au mur, ça j'aime bien quand c'est assez chargé au mur et puis épuré au milieu. Et on verra ça ben, au solde en fait. Je regardais où ils vendaient chez Atmosfera et puis en fait c'est oh, c'est dans un magasin à Blois en fait, un magasin, je sais plus comment ça s'appelle l'enseigne. Voilà, donc je pensais pas en tout cas trouver ça là-bas, donc je suis contente et puis ce sera, je pense, pas cher. On verra à ce moment-là pour compléter un petit peu. Ben je vais manger. J'ai filmé tout à l'heure mon retour de course de chez Action où là par contre j'ai essayé, enfin j'ai pris que des choses utiles et nécessaires, mais ça fait quand même des petites sommes quoi. Voilà, j'en ai quand même eu pour 37 euros et mais bon, je me console en me disant c'est utile, on en avait tous besoin. Voilà, et puis je vais me reposer un petit peu. Et puis je vais aller chercher les loulous et j'espère être assez en forme encore tout à l'heure pour leur couper de la pastèque pour le goûter parce que coiffeur et puis goûter après. Donc vous verrez bien le contenu de la poche à goûter pour voir si j'ai été grosse flemme ou si j'ai assuré quoi. À tout à l'heure. Bon alors j'avais à peine avalé mes pâtes. À peine. L'assiette se trouve encore sur la table. Bah vous savez, j'ai mis du fromage râpé dessus. Que le maître d'Élise m'a téléphoné pour que je vienne la récupérer parce qu'elle aurait vomi deux fois pendant la pause du repas. Donc je sais pas si elle a pris un petit coup de chose, vrai que ce matin quand elle se levait, elle se plaignait un petit peu de la tête, tout ça. Hein? Qu'est-ce que tu me disais ce matin? Un peu mal à T'avais la mal à la tête, tête, à la un gorge. petit peu à la gorge. Bon voilà. Après, tu as pris ton petit déjeuner, tu as repris du lait, tu étais en forme, tu étais contente d'aller à l'école. Bon, puis là, il a fallu aller la chercher, heureusement. T'as eu de la chance, c'était cet après-midi. Et t'as dit, tiens, on va devoir supporter du rhume. J'ai acheté des bonbons pour Khadija. Je savais même pas, en fait. J'ai cru que t'en avais acheté, du coup, j'ai dit, oh, ma maman, elle a acheté des bonbons sans porte, ça. Ben oui, j'en ai profité, j'ai acheté des bonbons sans cochon. Hein? Elle est très gentille. Ben oui, elle est gentille, Khadija. Oui, maman, elle a vu qu'elle était gentille. Voilà, bon, ben, on va essayer de se reposer toutes les deux. Avec Toi aussi, tu vas enlever tes chaussettes déjà pour avoir moins chaud. Harry Potter, regardez. Les chaussettes Harry Potter. Oui, je t'en ai acheté des nouvelles. Ça, c'est les chaussettes du frère, je crois. J'ai piqué. T'as piqué. J'aime trop Harry Potter. Bon, tu fais bouger tout. Elle a l'air hyper malade, hein. C'est-à-dire qu'elle a dû vomir et puis ça l'a soulagée, illico presto. Quoi? Je sens pas bon? Moi, j'y crois pas qu'elle s'alpèse. N'importe quoi. Mais arrête, c'est pas possible, mon royaume. Elle sent bon, maman, ou elle sent pas bon? Elle sent bon. Bah alors! Bon. Sinon, hier soir, elle avait du mal à s'endormir aussi. Elle était peut-être un peu fatiguée, mais je lui ai fait un massage du visage. Et je voulais lui acheter le turban, là, chez. C'est pas un turban. Mais un espèce de serre-tête élastique, là, pour mettre les cheveux bien en arrière et pas qu'il y ait de l'huile dessus. Oui. Mais il n'y en avait plus. Ah, oui. Il y a d'autres choses, je vais te montrer. Tu vas te reposer. Oui, c'est bon. Et me laisser dormir. Moi aussi, je vais me reposer. Toi aussi, tu vas te reposer. De dormir là-bas. Bah, au frais, hein, parce qu'à l'étage. Et toi, tu dors ici. Voilà. Voilà. Bon, on leur dit bonne sieste. Bravo.
sieste. Enfin, si vous ne faites pas la sieste. On pense à vous si vous travaillez, que vous avez chaud, que vous êtes dehors ou dans un bureau sans clé, mais et tout ça, tout ça. Nous, on, ben, voilà, on profite de ce côté positif de pouvoir aller faire la sieste. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai récupéré mon Tintin, j'ai laissé Lise à la maison, papa est rentré plus tôt pour s'occuper de Lisette. Et voilà ce beau mec, hein, tout doux, tout canon après le passage chez le coiffeur. Oui. Et tu sens bon en plus tous les produits. Oui. Oui. Voilà, il va prendre le goûter, se dépenser un peu parce que lui il en a toujours besoin. Ah, je suis attaquée. Tu sais aussi que j'ai fait beaucoup de travail hier. Attends, où t'as fait beaucoup de travail? Oui, j'ai fait un volcan avec Tom. Avec Tom. Voilà. Et ben, Lisette a fait une grosse sieste. Et puis, bon, ben, elle se repose. On verra demain. Moi, comme j'ai chimio, c'est vraiment ça va pas. Mais ça va, elle avait pas l'air mourante. Mais si jamais ça va pas, c'est papa qui restera à la maison. Et puis sinon, ben, elle retournera à l'école. J'ai pris le goûter et j'avais dit, ben voilà, j'ai pas fait la pastèque. Ce sera pour le dessert. Est-ce qu'on dit au revoir, Tintin? Au revoir, tout le monde. Allez, on vous fait de gros bisous. On espère que ça vous a plu. Salut.